C'est après, lorsqu'on a fait le tour, et surtout lorsqu'on s'est retourné, qu'on a vu la maison qui est juste en face de moi, avec un énorme morceau de toiture planté dans le toit, on s'est dit d'où ça vient. Et en cherchant, on a vu que c'était la partie arrière du toit d'école qui était partie, qui était devenue fichée dans la toiture. On a retrouvé des morceaux jusqu'à plus de 200 mètres autour. Un an après Kiaran, cette école bretonne est toujours sans toit. Depuis le 2 novembre 2023, la commune de La Feuillée, dans le Finistère, n'a plus de maternelle. La tempête a soufflé un pan entier de l'édifice et occasionné des dégâts à l'intérieur du bâtiment. Au fond là-bas, partout, le plafond en fer aussi. Et puis à l'étage, pareil. On n'a pas pu avoir de couvreur immédiatement pour bâcher la toiture. Ça a été bâché 2 jours après, donc il a quand même beaucoup plu à l'intérieur. Et les toits, les plafonds se sont effondrés, plus ou moins, étaient gorgés d'humidité, gorgés d'eau, hein, c'est là le verre. Les placos également autour des huisseries étaient endommagés. Pas question de continuer à faire l'école ici. Dans un premier temps, les 26 élèves de la maternelle et de la classe bilingue ont été accueillis dans des établissements des communes alentours, avant que des préfabriqués spéciaux ne soient installés en février 2024. Mais cette solution temporaire s'est un peu éternisée. À partir de là, on a engagé un certain nombre de devis, chercher des entreprises, ce qui a été compliqué d'ailleurs, hein, parce que tout le monde ne répondait pas, les maçons étaient débordés, les coureurs étaient débordés. On a réussi à obtenir l'ensemble des devis fin juillet 2023. Moi, je trouve que ça a pris du temps parce que je pensais que les enfants pourraient rentrer à l'école communale à la rentrée de septembre. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais je pensais qu'on aurait pu réaliser ces travaux, oui, effectivement, au moins à l'été. Aujourd'hui, les travaux ont pu commencer. Le maire tape sur une réouverture de l'école début janvier, si tout se passe bien.